Bonjour à tous, c'est Volibrest et on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play de Remander The Great Escape. La dernière fois, nous avions terminé la grotte des mauvais rêves et obtenu l'élixir de vie. Cet élixir de vie va nous permettre de sauver notre pote Clark. Comment va-t-il nous remercier, c'est ce que nous allons découvrir de suite. Allez, on se lance ça, c'est parti mon kiki. Oui, alors ça me saoulait, je suis revenu sur Project 64 parce que... l'autre émulateur il fait que ramer, ça me saoule, alors je comprends pas pourquoi. Ouais, là c'est déjà un peu mieux, franchement. Non mais l'autre émulateur c'est vraiment de la merde. Il fait les bonnes couleurs mais le reste c'est juste injouable, donc bon, tant pis. Hein. Tant pis, on se farcit les bugs graphiques des lums, c'est pas grave, franchement, on sait que ça. J'en ai vraiment trop ma claque, j'ai réessayé 10 fois, au secours quoi. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui l'émulateur, il arrête pas de déconner. Donc j'ai repris Project 64. Bon c'est largement plus fluide mais bon tant pis. On n'a pas les lumps de la bonne couleur, c'est pas grave. Donc de toute façon le reste il y a la couleur normale évidemment. Hein. Ok, ça commence bien. Et l'autre qui me ressort ses conseils de merde. Merci, mais ta gueule. Allez. Ah, bah lui, il rampe pas au moins. Putain. Ça fait plaisir. Ouais, bon, hormis les points, tout le reste est de la bonne couleur. Ah, bah tiens, l'homme se rouge, tiens. Ah non mais j'en avais vraiment trop ma claque de l'autre, hein, tant pis. Hein. Tant pis pour les bugs graphiques, c'est pas grave, je suis désolé mais... Oh mais putain, mais je fais n'importe quoi. Mais je fais n'importe quoi, mais c'est affreux, mais c'est affreux. Ça c'est la fatigue, hein. L'usure mentale, parce que ça fait 10 fois que je recommence. Hein. Oh, putain, je vais où? Oh putain, j'ai vraiment eu chaud là. Allez, accélère mon grand parce que j'ai vraiment pas trop de temps à perdre. Allez. Allez, hop là. Mais oh non, mais non. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je fais autant de la merde? C'est pas croyable. Bon, allez, je vais peut-être me concentrer un peu là parce que je suis en train de faire vraiment que de la bouse. Alors qu'autant la première fois que je l'avais fait, je crois que j'étais passé sans encombre, moi, honnêtement. Là, je ne comprends pas pourquoi je suis aussi mauvais. Hein. J'ai pas envie qu'on s'éternise là-dessus hein, parce que moi, ça fait déjà 40 minutes que je me débat avec l'autre émulateur pour avoir un truc correct, mais j'ai laissé tomber. Allez, c'est bon. Putain, mais bon Dieu, quoi, mais bon Dieu. Allez, on accélère. Ouais, bon, les lames ils sont blancs, j'en ai rien à foutre. Ouais, c'est pas grave, j'ai pris les dégâts, tant pis. On continue, j'en ai marre. Allez, toi tu meurs. Ah, mais là je suis saoulé, là, je suis blasé. Allez, mais dégage, voilà, merci. Hop. Allez, c'est bon, putain, on va enfin voir Clark, allez. Tiens, Clark, voici l'élixir. Merci, petit gars. Wahoo! Je vais pouvoir aller caisser plein d'autres pirates. Ah, t'es gentil, mec. Tac, mais repose-moi à bord. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire, là, pour hein? Je crois que Clark est réputé pour sa finesse. On va continuer, hein, tranquille. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc on a une porte. Bon, on va monter là, je crois qu'on a pas trop mis. Alors, observez la situation. Des lames violettes, c'est parti. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bon, jusque-là, c'est vraiment pas très compliqué. Hein.
Ah, est-ce qu'on peut aller encore plus haut? Ah, mais on peut aller encore plus haut, intéressant. Bon, on va y aller, vous savez quoi. Ah bah, il y a une cage en plus, et bah écoutez. Et j'ai envie de dire, à la bonne heure. Allez, 30 lumes. Oh, putain, c'est bon, je me suis bien repris. Allez, vas-y, Clark. Ouvre-moi le chemin avec ta grâce légendaire. Et évite de m'écraser, ça serait cool. Et c'est par là-bas, du con. Hein. T'as que des muscles ou quoi? Bon, il a que des muscles, en fait. Hein. Allez, casse-moi ça, tu seras gentil. Surtout, n'y va pas de main morte. Hein. Voilà, merci. Je pense qu'y aller de main morte, il sait pas faire, de toute façon. La finesse n'est pas dans son registre. Bon, allez, on continue. Tranquille. Ah, putain, ça fait du bien de retrouver un jeu fluide, là. Pff, je peux pas vous imaginer. Tant pis pour les couleurs, hein, c'est pas grave. Ah, j'ai encore entendu un petit help dans le coin, là. Ah bah tiens, juste au-dessus. Hop là. Et 2,25 âge, 32 lums. J'ai envie de dire, le reste, à mon avis, c'est en bonne voie. Hein. Allez, on est parti. J'ai présupposé qu'il fallait aller par là, hein. Je pense que je me suis pas trompé. Oh putain, ça... Que c'est chaud là. Ah, le big pas mal par contre. Ah putain. Ce passage tout à l'heure je l'ai fait, c'était mais juste affreux. Affreux tellement c'était injouable. Oh putain, je suis en train de faire de la merde. Oh putain, cette chatte. Bon là, qu'est-ce qu'on a? Oui, bah heureusement qu'il s'est arrêté, sinon je tombais dans le précipice. Bon. Qu'est-ce qu'il nous fait, Rayman, là? Il regarde en bas et il fait « Yeah !» Je crois que j'ai loupé un épisode, là. Mais quoi? Mais c'est déjà fini? Non, mais sérieux, là, c'est quand même pas déjà fini. J'ai même pas 40 lumes, il me manque la moitié des cages, là. Non, mais j'ai pas un truc, là. Oh, putain, mais je la ramasse encore avec un score, mais pourri de chez pourri. Putain, mais ça fait chier, ça. Des scores de merde, j'en ai ras le cul, moi. J'en ai ras le cul. Bah, sauvegarde, et oui que je sauvegarde, mais ça me fait chier d'avoir un score aussi pitoyable. Bon, on essaiera de se rattraper, en tout cas, dans la canopée, hein. On voit que Globox, il nous attend, en tout cas. Donc, merci à tous d'avoir regardé cet épisode un peu mouvementé, et on se dit à la prochaine. Allez, ciao à tous.